Alors, Adjaratou, vous êtes en résidence à la conciergerie, à la Motte, Servolex. On a l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher de peindre, hein. C'est vital. Oui, mais je suis peinte, je peins tous les jours. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où je ne suis pas vraiment inspirée pour peindre, mais bon, ça n'y a pas... Mais ça, c'est pas... une discipline quotidienne, quoi, pour vous. De sortir, marcher un peu dans la rue, m'inspirer et puis revenir et commencer à faire. Là, à Chambéry ou dans l'agglomération de Chambéry, on connaît pas mal d'artistes peintres grâce à la coopération de Chambéry-Waïgouya. Et il n'y a pas beaucoup de femmes burkinabées qu'on a vues ici. Est-ce que vous êtes nombreuses de femmes qui peignaient? Quatre ou cinq femmes. Donc c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Mais j'espère que d'ici là, il y aura plus de femmes dans la peinture. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous de... Oui, c'est important parce que là, quand on parle d'artistes femmes burkinabées, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, c'est dommage quand même. Je pense que ce sera pas mal s'il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de thèmes dans vos peintures, mais il y a l'idée du transport, du vélo, c'est partout. Oui, mais parce que pour cette exposition, j'ai travaillé sur le thème du voyage, du déplacement, des personnes, du mouvement. Donc je travaille sur le thème du voyage, mais je travaille sur d'autres thèmes aussi, et comme la situation de la femme africaine, la séparation mère-enfant, l'excision, tout ce qui me touche. Bon, on vous laisse continuer. Vous avez trois, vous pouvez vous en réjouir.